Bonjour, donc je suis le docteur Daniel Rousseau. Ça fait pratiquement 30 ans que je travaille auprès des enfants de l'aide sociale à l'enfance à Angers. Et je me rends compte que quand on est dans le quotidien, on a le nez dans le guidon et on a parfois du mal à prendre du recul par rapport à notre action, mais aussi qu'est-ce que cette question de la maltraitance vient faire dans l'histoire de l'humanité et d'où on en est aujourd'hui, au 21e siècle, par rapport à cette question. D'où on vient, où va-t-on et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Parce que c'est une question que je me pose depuis 30 ans. Depuis 30 ans, je travaille dans un foyer de l'enfance, ou en particulier à la Pouponnière, où je rencontre des situations toujours les mêmes. C'est-à-dire que 30 ans après, je retrouve les mêmes enfants et je me dis... Pourquoi est-ce qu'encore, ça dure encore et toujours? Et donc je voudrais, à travers ce MOOC, présenter quelque chose qui sorte de ce désenchantement pour montrer qu'il y a quand même eu des avancées en protection de l'enfance, en tout cas, moi, dans la façon dont je la perçois et de ce qu'on peut faire pour ces enfants. Eh bien, peut-être de sortir la tête du guidon. C'est-à-dire arriver à contextualiser notre action en protection de l'enfance, à la fois avec un regard anthropologique, un regard scientifique, un regard clinique aussi, pour arriver à donner un autre sens à notre action. Du fait de ma position de chercheur et des obligations qu'on a quand on fait des publications scientifiques, j'ai été obligé de trier, sélectionner parmi des centaines de références les quelques références qui me paraissent les plus solides aujourd'hui et qui font foi d'ailleurs dans la communauté scientifique et donc dont je pourrais vous faire part.